Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, Seidi Seidachi, por favor, bienvenido a la casa Gravity Max Company. C'est cassé. Redémarrons le système. Ce mec n'a rien à dire. Ah. Oui, tellement. Ah si, j'ai des trucs à dire. Hein. Notamment le fait que cette vidéo sort et pour une raison bien spéciale. Oh ben ouais. On va dire qu'on a peut-être, on va dire que peut-être mon nombre d'abonnés dépasse le record du monde de vitesse du TGV de 1990. Ce qui est pas Ouais, on dit ça, on dit rien, tu vois. Non, sans déconner. On est peut-être plus de 515 alors qu'il est. Ouais. Et donc, on a plusieurs choses à dire, hein, forcément. Plusieurs choses à dire déjà dans un premier temps, merci. Merci! Voilà. Simple, rapide, efficace. Non mais vraiment, hein, c'est quand je dis ça, c'est pas juste pour faire joli, c'est sincère, parce que si on m'avait dit qu'un jour j'atteindrais autant d'abonnés, j'y aurais pas cru. Vraiment, s'il y a un mec qui ne voulait pas forcément y croire, c'était moi. Et pourtant, ben, vous voyez bien que la réalité fait quand même assez bien les choses. Eh Et oui. bien finalement, parce que finalement nous y sommes. Ça a été long, parce que quand même, 4 ans et demi pour 500 abonnés, quand même, ça commence à faire un bon bail que je suis sur YouTube, mais Mais voilà. le travail a payé, comme qui dirait. Hein. Mais ouais. Et je pense qu'évidemment, ce qui a fait que j'ai pu avoir autant d'abonnés, c'est le retour des trains. Chouchou. Ouais, ça fait depuis bientôt un an, hein, même peut-être un an que j'ai repris les trains sur ma chaîne principale. Ouais. Ce qui fait que du coup, ma chaîne a retrouvé prospérité en termes de vues, ce qu'elle avait un peu perdu à l'époque où je m'en suis désintéressé. C'est-à-dire. Pendant le confinement 2020. Ouais, j'ai eu une grosse période de ras-le-bol. Ça vaudra Bon, le coup quoique, il y avait du d'écouter. ras-le-bol, mais il y avait Forza. Il y avait du ras-le-bol, mais il y avait Forza. Mais Forza, ça faisait pas de vues. Hein. Dommage, parce qu'en vrai, les vidéos étaient intéressantes. Peut-être un peu longues, mais intéressantes. Enfin, après, j'aurais pu les rendre plus intéressantes encore. Aujourd'hui, si je retournais à nouveau des Gravity Tuning, ce serait pas la même gueule. Bon, même si on va pas le faire sur Forza Horizon 4, la raison est pas bien compliquée, il y a personne. Oui, puisque maintenant il y a le 5 en fait. Ouais, on attend de le choper pas cher et après on y jouera. Et on attend aussi d'avoir la fibre, ce qui va bientôt arriver. Alors, oui, chez mon daron, c'est pour bientôt. Ça doit être pour dans peut-être 3 semaines. À tout casser. À peu près. Et chez ma mère, eh ben, on a créé une team au sein de ma résidence qui s'appelle. Les harceleurs pour la fibre. Exact. Et en fait, si vous voulez, ça fait depuis le 23 mars qu'on est fibré. C'est-à-dire qu'on nous avait dit. C'était pas le cas. De juillet 2021, on nous disait pareil. On l'a pas eu. Après, on nous a dit octobre, on l'a pas eu. Et puis là, enfin, mars 2022, pouf, c'est bon, là. Sauf qu'il y a des problèmes, attention. Sauf que on est tous dans le village à pouvoir bénéficier de la fibre, sauf notre résidence. Sinon, c'est pas drôle. Pourquoi? Attention, instant explication. Explication. Alors, grosso modo, comme ma mère et moi nous vivons dans des logements sociaux où nous sommes donc plusieurs personnes, il faut que le bailleur qui gère cette résidence signe une convention avec l'opérateur qui lui autorise à déployer la fibre optique. Seulement, notre bailleur, ils sont complètement foutus, ils s'en battent les steaks à 1000%. Voilà, c'est pas compliqué. On les assaille de mails depuis qu'il y a la fibre, mais leur Oh réputation putain, il y a ma chose gaming qui est en train de se défoncer. la seule réponse qu'ils ont trouvé à me dire en réalité, c'est on s'en bat les couilles. Voilà, pas compliqué. Enfin, ils m'ont pas dit ça, mais en fait, ils m'ont carrément jamais répondu. Donc bon, vous comprenez. Du coup, à la suite de ça, j'ai décidé que j'allais faire une lettre que j'ai déposée dans la boîte aux lettres de tous les locataires, et je dis bien tous, sans aucune exception. On est une vingtaine, et j'attends des réponses. On est déjà trois ou quatre là qui ont répondu. Ouais. Donc, du coup, ça fait qu'on aura peut-être la fibre incessamment sous peu. Qui sait?
Je vous Bon, donne après, mon c'est de la numéro. fibre orange. Après, c'est de la fibre orange sous SFR, et autant vous dire que je connais ce que c'est. Et bon, dans un cas, c'est un peu moins bien, et dans l'autre cas, bah, c'est très bien. Disons que dans mon cas, ça va, mais trois petits points. Ouais, mais toi, Orange, c'est parce qu'aussi, tu as la maison chez qui tu as la fibre orange, elle n'est pas du tout adaptée, quoi. Ouais, tu connais les maisons des grands-parents. Ouais, mais maison en brie, en pierre, mur hyper épais, hein. Des années 70, pourtant la porte aussi où je suis, la résidence, elle est des années 70, mais on dirait pas comme ça. Hein. Mais en même temps, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas la même Si, le construction. seul détail où tu peux le voir, c'est potentiellement la technologie utilisée pour l'ascenseur. Mais ceci n'est pas le sujet. Voilà, sinon on va peut-être éviter de parler de ça, pas parce que on veut pas vous le dire, mais plutôt parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, déjà qu'elle dure bien genre 5-6 minutes. Même peut-être elle va passer la dizaine, hein. Ouais, comme d'habitude, tu sais que c'est impossible quand on est tous les deux de faire des vidéos qui durent 3 secondes. Ah, on pourrait, mais ce serait compliqué, faudrait préparer ça à l'avance, quoi. Ouais, sauf que non, on prépare jamais trop rien. Bon, on sait ce qu'on Ah, fait, mais niveau au après. talent. Et encore au niveau talent, on se démerde. Ah bah, il faut, c'est important. Il faut. Et ouais. Mais du coup, 500 abonnés, déjà ça, bah, le cap symbolique, ça fait vraiment plaisir, mais surtout, bah, maintenant, grâce à ça, j'ai déverrouillé l'onglet communauté. Et vous l'avez certainement déjà vu si vous êtes un petit peu actif. Les abonnés passionnés de train l'ont déjà constaté, je pense. Je publie des choses et ça me permettra notamment de vous montrer des petites photos des trains que je prends chaque semaine, même si j'en publie pas forcément de vidéos, même si je vous le dis comme ça, hein, mais quasiment à chaque fois que je visite une rame, je prends des vidéos. Et donc, un de ces cas, je vous sortirai une compilation de tous les trains que j'ai filmés mais que je n'ai pas sorti en vidéo parce que ça n'en valait pas la peine. Eh oui. Sinon avec ça, bon ben on va essayer avec Thomas de reprendre les vidéos chill out, blabla, tout ça, tout ça. On a essayé Alors, d'en tourner une hier, mais bon ben ça, devinez quoi, ça a encore foiré. à votre avis, pourquoi? Parce que le micro n'était pas activé lors de la capture. Ouais. C'était pas bien, du coup. Du côté, tu vois, tu m'entendais parler dans le vide sur Discord. Ouais, du coup c'était bizarre. Totalement. Mais bon, du coup, on va essayer de reprendre les vidéos de chill out pépère. Il y a des petits concepts qui vont sortir. Et d'ici pas longtemps du tout, vous allez voir des vidéos assez sympas avec des expériences que Thomas et moi nous aurons eu la chance de vivre. J'ai envie de dire. Bonjour, ici la voix du montage pour vous dire que Gravity sera tout seul. Oui, totalement. Elles vont paraître sur notre chaîne. D'ailleurs, bah déjà, merci. Merci l'arc-en-ciel, je sais qu'il y a des éducateurs qui regardent mes vidéos, merci si vous passez par là. Merci l'arc-en-ciel, franchement, merci à tous. Parce que vraiment là, en termes d'expérience, là vraiment vous régalez. Totalement, effectivement, je suis d'accord. D'ailleurs, on a vraiment eu la chance de pouvoir faire ces trucs, donc on va en profiter à 1000%, ça je peux vous le garantir. Et on Ah bah va vous oui, en faire frérot. profiter aussi. Comme à chaque fois, évidemment. Eh oui. On est généreux à la Gravity Max Company. Je sais pas si vous le savez. Bien sûr, on vous fait des trucs, notamment il y a un truc qui vient de sortir au moment où on tourne la vidéo. Et autant dire que vous allez être super gâtés. Oh ben là ouais, niveau générosité, ça c'est encore là la partie que je vous montre, ce n'est qu'un échantillon parce que j'ai pas fini, hein. Là je vous montrais la partie duplex 200, mais après il va y avoir les 800, les réseaux duplex. Et potentiellement notre petit tram à nous, le TGV GNCT. Bon, ça, on vous en parlera un petit peu plus Voilà, tard, vous allez comprendre ce que c'est. un petit peu en annexe, on en parlera, on fera une vidéo à part, je pense. Oui, parce que c'est un projet Farfelu. un petit peu farfelu, aussi futuriste, et qui pourrait être sérieux, faut pas Enfin croire. bref, on va pas la faire plus longue que ça, on va sûrement faire des vidéos de chill out sur d'autres sujets, parce que là je déborde d'idées. Ah oui, totalement, là on a des trucs à dire. Ah oui aussi, avant de partir. Il faut bien penser aussi à un peu parler de la montée en flèche que la chaîne TutoTechFun fait, ma parole. Oui, on n'en a pas parlé, tu fais bien de le préciser. TutoTechFun, alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que la vidéo annonce que j'avais faite n'était pas frappadingue, hein, il y a quelques temps, mais pour Oui. ceux qui ne le savent Alors pas du soit tout, pour j'ai une ceux qui ne troisième le savent chaîne. pas, soit pour ceux qui n'avaient même pas fait le parallèle, ce qui est possible aussi, hein.
Donc Tuto Tech Fun, en fait, c'est notre troisième chaîne. Enfin, plutôt, non, je vais plutôt commencer à l'appeler la chaîne secondaire, parce qu'en réalité, la chaîne secondaire, ben, hop là, poubelle. On s'est finalement rendu compte que ben, elle servait un peu à rien, cette chaîne, pour le moment. La chaîne Tuto Tech Fun, on l'a créée donc il y a à peu près un an. On fait des tutos sur Android, Windows, tout ça. Et il se trouve que ma petite idée de succès exponentiel qu'allait subir la chaîne était réelle, puisque en 11 mois, nous sommes passés de 0 à plus de 340 abonnés. On est même 300. On est à 343, j'ai regardé tout à l'heure. 343 aujourd'hui, donc là aussi, la communauté qui nous suit sont des grands malades. Et si vous n'avez pas découvert, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil, évidemment. Je suis assez actif et nous sommes assez actifs pour répondre à vos commentaires. Ouais, moi je suis plus actif pour répondre aux commentaires que sortir des vidéos par contre. Mais c'est pas grave, moi aussi franchement je suis un peu en pause là, j'ai plus trop d'idées en ce moment. Moi non plus, je suis complètement en panne, j'ai rien à présenter. Mais comme je vous l'ai déjà dit, cette chaîne fonctionne. Non. J'ai une vidéo qui va sortir en parallèle sur ma chaîne principale et sur Tuto Tech Fun, vous verrez, ça va être assez bien. Ce sera pour ceux qui n'ont jamais pris le train. Je vais vous donner des astuces et donc ça concernera aussi bien la partie technologique téléphone que la partie train. Et oui, ça pourra vachement servir. Vous verrez. Et aussi, je tenais à vous dire que si, pour tous ceux qui sont là, qui arrivent ici, qui demandent pourquoi il y a un manque de vidéos, c'est pas bien compliqué. La chaîne, et ça, on l'a très clairement pas beaucoup évoqué, elle fonctionne sur l'aspect actualité et sur l'aspect j'ai des choses à dire, donc je le montre. Exactement. Du coup, si vous voyez qu'il y a une période d'activité qui est énorme, c'est souvent qu'on n'a rien à faire. C'est ça, d'inactivité. Voilà, c'est pas bien compliqué. Bon, eh ben, nous allons vous laisser et puis on va ensuite faire de nouvelles prods parce qu'on a des choses à dire, mes chers amis. Et oui. Je veux entendre mon avis. Non, c'est archi faux, mais bon. C'est faux, comme d'habitude. mais donc, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Allez, salut. Bonsoir.